Coucou YouTube, on se retrouve donc pour la suite de Stellar Blade. Donc j'ai pas pu jouer hier vu que mon papa n'était pas bien. Mais là c'est bon, donc là il a repris les couleurs, ça a l'air d'aller mieux. Tant qu'il est en réa, bon c'est toujours un petit peu tendu, mais bon il fait un peu de fièvre. Ça c'est l'opération, c'était vraiment une opération lourde, donc du coup voilà. Mais bon, on va s'attarder donc sur Stellar Blade, je vais me changer un peu les idées, ça va me faire du bien. Et on attaque directement, on a bien joué, en tout cas on avait bien commencé... Sur la première partie, on avait bien géré. C'était vraiment cool. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et là, j'ai envie de kiffer, en fait. Donc, on est reparti, peut-être. Pendant que je change le micro. En espérant que je ne veux pas avoir de soucis avec le micro. Est-ce que vous m'entendez toujours, là? Ouais. Est-ce que j'ai bougé un peu le micro? Bon, on est parti. J'espère que tout est ok chez vous. N'hésitez pas à me le dire sur Twitch. Donc là, il faut que je... La ville semble s'étendre en profondeur et en hauteur. En tout cas, c'est magnifique. Et je suis en semi-performance, là, en mode... C'est les attaques des Naitiba ? Équilibré. Ces murs devraient être davantage renforcés, on dirait. Et donc, on est à Chion. Oh, j'avais aussi envie de faire une vidéo sur la polémique qu'il y a sur Stellar Blade. Là, en ce moment, c'est une dinguerie ce que j'ai vu sur Twitter. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. La censure, on fait pas une fixation sur le physique de Eve, on a rien à foutre du physique de Eve. C'est la censure au niveau du sang, les promesses et tout ça. Et ça, ça casse les couilles. Sony casse les couilles. Mais le seul moyen de contacter la colonie, c'est de finir la mission. J'espère que ça arrivera vite. Il nous avait fait le coup avec Devil May Cry à l'époque, souvenez-vous. Les versions PC et Xbox n'étaient pas censurées, mais la version PlayStation 4, elle l'était. Et PS5 du coup. Adam. Pourquoi les rues sont vides comme ça? Ils se cachent tous à cause de notre présence? Il y a un problème ici. Un problème? Vous verrez quand on sera dans la chambre de présence. J'ai hâte de découvrir la suite parce que... franchement, le gameplay est cool. À part, bien sûr, les phases de plateforme, hein, c'est vraiment le défaut de ces jeux-là, c'est vraiment la plateforme. Mais l'histoire a l'air cool. Et les combats sont super dynamiques, super plaisants à jouer. J'ai pas eu trop de difficultés en première partie, hein, je vais pas vous mentir, c'était assez... ça allait. Donc c'est pour ça que je le qualifie pas totalement d'un Soul-like, hein. C'est pas un Soul-like. Même s'il a des caractéristiques qui s'y prêtent. Hein. Là, je vois déjà qu'il y a un petit... Allez, on y est presque. Ah, donc ici, t'as pas besoin de pièces parce que ben, directement... je vais juste regarder si je peux pas... De toute façon, l'arme... Faut qu'on augmente. Pour les dégâts. Et donc, du coup, pour les tenues bonus là que tu as avec la version... Ah, ils sont stylés. Ah, j'adore le chara-design. Un peu chelou, mais... Hé, Raël, ça fait longtemps. Tu es venu avec des invités. Des invités très importantes. Tu peux ouvrir la porte. Entre. Orcal t'attend. On se voit bientôt, d'ailleurs. On se voit bientôt. Pour le concert, ça va être cool, ça va aussi me changer un peu les idées. Vivement. Waouh, c'est grand. Est-ce que c'est là que sont gardés les souvenirs? Le fait qu'on ait une VF, c'est incroyable aussi. Improbable, mais on en a une. C'est bien ça.
La chambre de présence renferme les souvenirs. Les souvenirs de tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre la matriarche. Par ici. Nous avons des invités. Bienvenue. Bon, lui, tu sens qu'il a bien vécu. Les présentations. Voici le prophète de Xion, Orcal. Je suis Eve de l'escadron aéroporté. Moi, c'est Lily. Enchantée. Adam m'a beaucoup parlé de vous. Et pour moi aussi, ça fait longtemps. Vaincu un Aitiba Alpha. Pourriez-vous me montrer ce qu'il a pu laisser tomber? C'est clair que... Oh, un noyau alpha. Un moment, je vous prie. Ton objectif est d'éliminer le Naitiba ancestral, le chef de tous les autres Naitiba. Donc, je suppose que vous comptez utiliser le noyau alpha comme clé pour ouvrir le chemin vers le nid. C'est bien ça. Comment vous... vous savez ça? Malheureusement, le nid ne peut pas être ouvert avec le noyau alpha seul. Quoi? Mais non! Mais... il n'y a aucun autre moyen d'atteindre le nid? Cette réaction... En fusionnant quatre noyaux alpha, vous créerez ce qu'on appelle un noyau maître. Ce n'est qu'avec le noyau maître que vous pourrez atteindre les profondeurs du nid. Comment... comment vous savez tout ça? Grâce à mon lien personnel avec les installations à la surface. Je peux examiner absolument tous les endroits sur Terre, tant que je dispose d'assez d'énergie. Alors ça veut dire que vous seriez capable de retrouver le Naitiba Alpha? Les présentations sont terminées. Adam, s'il te plaît, insère l'hypercellule. Au moins ça va directement dans le vif du sujet. C'est ce que j'aime dans les cinématiques de ce jeu. Ça va directement vraiment dans le vif du sujet. Et ça c'est appréciable. Genre quand tu t'assois sur un camp, les cinématiques ne sont pas très longues. Et ça me va, moi. Enfin, ça fait un peu comme Elden Ring, si on veut, dans l'approche, je trouve. Je parle des cinématiques, bien sûr. Et donc là, il y a des rumeurs persistantes sur Kingdom Hearts, hein. Apparemment, là, Kingdom Hearts 4 pour 2025, bon, j'y crois pas trop. Hein. Par ici. Mais la série, par contre... Ah, il fait sombre. J'aime vraiment pas l'obscurité. Voici l'hyperdrive, la source de toute l'énergie d'Oxion. Eve, l'hypercellule que tu as apportée donnera la lumière, Oxion. Là, essaie de placer l'hypercellule ici. Ah bah non, je la prends, Alba. Ah bah c'est cool. Bon, on sent une petite vibe aussi sur les musiques chill, là. Ça fait très nier, effectivement. Est-ce une sorte de cimetière? Non. Les gens ici sont dans un profond sommeil, dû au manque d'énergie. Continuer comme ça n'apportera que les ténèbres. Eve, s'il te plaît, aide-nous. Grâce à l'hypercellule qu'Eve a trouvée, pour l'instant, ils sont en sécurité. Je suis contente d'avoir pu servir à quelque chose. Avons-nous besoin de
plus d'hypercellules pour que les citoyens se réveillent? Oui. Nous avons besoin de 3 hypercellules supplémentaires pour reconstruire Xion. Retournons voir Orcal pour entendre le reste de l'histoire. Ah, les étrangères. Merci pour votre travail. Grâce à vous, des dizaines de milliers de vies ont été rallongées. Et mon lien personnel se stabilise lui aussi. C'est génial! Est-ce que ça voudrait dire que maintenant on pourrait trouver le Nightiba Alpha? L'énergie de l'ancien sert encore en totalité à alimenter le berceau. Qui es-tu? Ah, lui c'est Man, un commandant sentinelle. Il sert aussi de garde du corps pour Orcal. Mes capacités restent limitées. Je ne suis pas encore capable d'atteindre de nouvelles zones. Cependant, avec le pouvoir d'autres hypercellules, je pourrais localiser le Nightiba Alpha avec certitude. C'est pour ça que je dois vous demander encore un peu d'aide. Le plateau Le Voir, un lieu de terre désolé, une ruine du passé. Pouvons-nous compter sur vous pour y récupérer une autre hypercellule? Eve, je suis sûr que ça servira. Oui. Nous n'avons pas d'autre choix. Le chara-design me fait penser un peu à Lost Planet aussi. Je compte sur vous. Le jeu de Capcom, là... Ça ne sera pas facile. Assure-toi d'être bien préparé. Petit mélange entre Metal Gear Solid Rising... Non, Metal Gear Rising, c'est ça? Avec Raiden... Ça fait penser un peu à ça aussi. Bon alors, est-ce que je vais pouvoir changer de costume? Là, il y a des NPC. Il y a des gardes. Et tu vois, les musiques là font penser à Nier. Totalement. Waouh! Je me sens mieux maintenant qu'on est enfin dehors. La chambre de présence peut devenir assez oppressante. Ce gars super flippant ne voulait pas arrêter de me fixer. Je sais qu'on ne dirait pas, mais il est plus amical qu'on ne le pense. Je dois terminer la maintenance du tétrapode avant de partir. Eve, je peux te demander une faveur? J'ai réservé un panneau de contrôle de la propulsion à la décharge des deux sœurs. Tu peux aller récupérer ma commande et me rejoindre en repère? Profites-en pour explorer la vie. Ça y est, on commence déjà des petites quêtes FedEx. D'accord. Je vais emprunter l'atelier d'Adam un moment. J'aimerais bricoler sur le drone. Parfait. Tout le monde finit sa affaire et on se retrouve au tétrapode. Oui, Belensu, les Magna Carta, ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, maintenant que tu le dis. Je vais balayer la zone, ok. Cool. Donc là on est dans le gameplay. On va se reposer, c'est cool pour faire des petits screens aussi. Cool. Alors, du coup. Tu cherches la décharge des deux sœurs? Quittez-toi. Continue sur cette route jusqu'à voir les escaliers sur la droite. Enfin, ça faisait un bail que j'avais pas vu d'ange. Oh, je suis un ange. Bon, alors, du coup... je fouille un peu, hein. Mais qui es-tu? Oh, c'est toi l'ange, celle dont je n'arrête pas d'entendre parler. Désolé de ne pas t'avoir reconnu. Oh, tu n'as pas à être désolé. Tu as fini de regarder. Peut-être que nos produits ne sont pas aussi impressionnants. Non, ce n'est pas ça. T'en fous, Barry. Il s'appelle Barry. Bon, alors du coup, est-ce que je dois avancer pour les tenues ou comment ça se passe? C'est un hub, c'est un truc. Oh, joli l'affiche.
guide de point de contact pour la prière. Mes frères et sœurs, prions. Puissions-nous trouver le salut, a déclaré la matriarche. C'est la plus belle chose qu'elle ait dite et nous devons la chérir. Voilà déjà bien longtemps que la dernière guerre s'est achevée. Et sa prophétie est notre unique espoir dans ce monde corrompu et grouillant de Naichiba impie. Notre foi triomphera, elle perdurera, résistera et ne s'égarera jamais. Bientôt nous trouverons notre place dans l'espace, car elle ne ment pas. Mes frères et sœurs, prions que la paix soit avec tous ceux qui nous rendent visite. Pour toute autre demande, vous trouverez Francis dans la librairie de Francis. Glisse vers le haut du pad pour la manette. Là, j'ai pas encore toutes les tenues là. Genre, j'ai aussi une paire de lunettes à un moment. Parce que là, j'essaie de. Bon, pour les missions, je sais où aller, hein. Ça, c'est pas le problème. Mais... Enfin, je crois. D'accord, carte. La carte s'active dans certaines zones. Ok, d'accord. Pour balayer, donc ok, d'accord. J'avais pas encore ça, Alba. Ah, tu vois, ok, là ça active la map. D'accord, donc là tu vois, décharge les sœurs. Genre, t'as des quêtes annexes Il y a un téléphone, donc ça c'est pour se CP dans le monde. J'ai bien compris. Ah non, c'est les points de passage. Ok, d'accord. Oh, par contre, les jeux qui mettent pas le minimap, c'est relou. En plus, sans rien pour t'indiquer. Après... Ok. Ah, l'ange. Ah, je n'arrive pas à croire que l'ange est ici. C'est toi qui tiens cette boutique? Oui. Pour le moment. Adam m'a envoyé chercher le nouveau panneau de contrôle de la propulsion. Alors, est-il prêt? Il est prêt. Et j'en ai même un de rechange. Bon à savoir. Alors, combien est-ce que ça va me coûter? Oh, non, 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 non. Toi, prends-le. On m'a dit que tu étais là pour nous aider. Alors, je compte bien t'aider moi aussi. Elle est mignonne. Bon, alors j'accepte. Merci. En retour... Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oh, non, non. Oh, tu crois? Oh, j'imagine que je ne peux rien te cacher. L'ange. Tu m'expliques ce qui s'est passé? D'accord. Un jour, alors que je travaillais dans la plaine des déchets des terres désolées, je me suis retrouvée face à des Naichiba. J'ai dû abandonner ma moto et ma sacoche afin de m'enfuir. Des morceaux de ferraille entravaient la moto. C'était elle ou moi. Au final, je l'ai laissée. Une moto? Est-ce que tu connais sa localisation? Je dois aller dans les terres désolées. J'irai voir ça au passage. Oh, merci beaucoup. Oh, mignonne. Alors, l'histoire d'une recycleuse. Kaya. Oh, l'ange, qu'est-ce qui t'amène cette... Ok, donc là, elle a une boutique.
Comment on va tout puissant parce que vos PV sont faibles. Salut les gars, ok. Est-ce que tu t'en... Oui, je reviendrai si je... Ah, mais j'espère. Ok, alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc ça c'est la décharge de Kaya, après il y a des quêtes là. Entrée de la salle de la chambre de présence. Repère. Mission pro. Donc il faut que je... Ah tu peux même pas marquer pour te guider ou... Ok, je pense que ça, ça te sert de TP, c'est ça? Genre maintenant, si... si je veux aller là, je fais ça, c'est ça? Ah non, tu peux, pardon. Non, d'accord, ok. Tu peux marquer les zones. Ah, d'accord, ok, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Note sur le protocole Eve 1. Première note de la sur le protocole Eve serait. Okay. Par hasard sur un ange mourant au cours de ma chasse au trésor dans les terres désolées. Ce qu'elle affirme est grotesque, mais je pense qu'il y a important de le documenter. Le protocole Eve, le plan de la matriarche, serait d'anéantir tous les Natiba et reprendre la terre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. T'as complètement perdu la tête ou quoi? Quand elle m'a préalablement parlé de ce plan, qui pourrait penser que c'est une bonne idée d'envoyer. Quelques membres de l'escadron aéroporté pour suivre ce plan. On se rappelle tous de l'extinction de la colonie. Si la matriarche voulait éliminer les Nightbay, il lui suffirait de faire tomber quelques morceaux de la lune. Vous croyez qu'elle ne le ferait pas pour nous épargner? Vraiment? Ça fait des années qu'elle nous a abandonnés, comme un tas de rebuts. Et tout à coup, elle voudrait se montrer miséricordieuse. Ok, ok. Coucou Efia, comment tu vas? Ah, Stellar Blade, ouais. Oh, Eve. Eh, le jeu, il est vraiment bien. Viens, il est vraiment cool. Viens. Si tu fais abstraction du design, le côté potiche... Tends ton bras bien en avant. Le côté, comment dire... Cara design de ce type là, franchement, le jeu il est excellent. Au niveau gameplay, il est vraiment excellent. Moi j'adore en tout cas. Je joue pas pour les filles de la physique du personnage, si tu veux. Bon, écoute, ça va un peu claquer, un peu beaucoup de stress avec mon père, tout ça. Ça va. Le drone 2.0 qui peut tirer des projectiles à longue distance. Ouh, ça c'est bien. C'est plus qu'une simple amélioration, c'est une évolution. Je suis saoulé par la polémique. En fait, le problème de la censure, c'est pas le fait du petit vêtement, du bout de vêtement qui a été modifié. Hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la censure que Sony applique sur le jeu. Par rapport au sang, par rapport au gore et par rapport à la physique du personnage. Si les développeurs ont voulu faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Ça, c'est stylé par contre. C'est ça qui est un peu énervant. Il faut que je vise quoi là d'ailleurs? Détends-toi. Viser. Mais il y a un truc que je dois viser ou... Les bouteilles? Peut-être. Ah, miss. Ça pète pas. visez votre cible et appuyez. Ouais, mais quelle cible?
je dois tirer sur quoi? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas calculé là, les gars? Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai vu. Bon, je l'avais pas eu, pardon. Détends-toi. Ah, ils ont mis un petit tuto pour... D'accord. Parfait. Oh, c'est bon. Bah après, c'est un jeu, Young Hakim, il a toujours été fan des... T'en penses quoi? Cette gamine, bricoler mon drone. Ce sera très utile pour la mission. Merci, Lily. Génial. Dis-moi si tu venais à monter une munition. Alors, bah après, c'est un jeu Young Kim. Il a toujours été fan des bonnes bonasses. Tu regardes le chara-design de Mario Kart 1 et 2 et Soul Blade. Enfin, ouais, Blade and Soul, c'est ça. Il y en a, elles sont toutes même méga sexy. Ben c'est comme Nier, c'est comme Bayonetta. Et t'as pas eu de polémique avec Nier, t'as pas eu de polémique avec Bayonetta. C'est incroyable. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la censure de Sony. C'est la censure que Sony applique. Et ça, c'est une autre histoire, tu vois. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'en fait, c'est une pub mensongère. Les développeurs ont annoncé zéro censure et il y en a quand même. Donc c'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me dérange profondément. Et moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression et de tout ça, quoi, tu vois. Donc, c'est important de la vision originelle. La vision originale des développeurs est importante, à mes yeux. Donc, s'ils ont choisi de mettre ça en avant, ben voilà, ben, c'est tout, c'est comme ça. Donc, il faut pas revenir après, tu vois, sur... Je veux aller dans les terres désolées aussi. C'est une autre histoire. Et donc je vois des personnes qui font le raccourci, ouais, les mecs qui bandent dur sur le chara-design, les trucs comme ça, je trouve ça complètement débile en fait. Trouve juste les matériaux et laisse-moi m'occuper du reste. Bayonetta et Nier Automata, ils ne sont pas sortis en 2024, ça change beaucoup de trucs. Exactement, tu as tout résumé, Efia. Tu as tout résumé. Ah bah ok, ça c'est cool. Donc système de piratage. On a les drones, on a l'exospine. Ça par contre, il va falloir que j'améliore. Bah je peux l'améliorer ça. Ah bah voilà. Cool. Oh, multi-cible, ça c'est cool ça. C'est bon ça. Non, c'est pour ça, c'est ça qui me saoule en fait. Cette polémique là, elle est valable, tu vois, elle est même souhaitée en fait. Parce que si tu fais plier Sony par rapport à ça, ça envoie un gros message. Donc les personnes qui se désabonnent du PSN, je trouve ça plus logique que de boycotter le jeu, parce que ça n'a rien à voir avec les développeurs, c'est quelque chose qui a à voir avec Sony. Et ça, c'est un autre délire, tu vois. Donc, il faut pas se tromper de combat. C'est voilà. Là. Beau travail, Eve. Qu'as-tu pensé de ta balade? Parce que le jeu, il est bon. C'était un peu triste. Tellement d'espace vide. Mais bon. Partons pour les terres désolées. Ouais, il y a encore des problèmes avec le système de direction du tétrapode. T'as Sony qui... T'as les développeurs, ils se cassent le cul à faire un jeu, et t'as Sony qui... Tu seras prêt quand? Qui les plombe, quoi. Malheureusement, ça va me prendre bien plus qu'une journée. Alors je vais commencer à pied. Utilise le drone pour me guider. Quoi? Les terres désolées sont plus vastes que tu ne le penses. Je ne peux pas rester là à attendre. C'est que je veux voir les terres désolées de mes propres yeux. Tu es surprenante. D'accord, je te guiderai avec le drone. Il va avoir un jour de semi-open world ou quoi? Je suis pas prêt pour ça, moi. Eve, fais bien attention.
Oui, merci. Donc oui, ne pas se tromper de combat et ne pas faire d'amalgame trop facile en disant voilà les whips, tu vois, ou les raccourcis de rien à voir avec une paire de fesses ou de nichons Eve, ou de voilà. Eve, j'ai oublié de absolument rien. Il est temps d'améliorer le drone. Viens par ici. Ouais, c'est bon. Et du coup, pour la tenue, Alba, on fait comment? Et ouais, mais Bayonetta, quand tu regardes, Bayonetta, il est sorti quand, là, le 3? Je crois que c'était le 3, hein. Je l'ai pas fait le dernier. Il est sorti il y a pas très longtemps, il y a quoi, 2 ans? Où est-ce qu'on a accès aux tenues? Ouais, je récupère les quêtes annexes aussi. Parce que j'ai toujours pas les tenues que normalement je suis censé avoir avec. De toute façon, Sony et leur double sens moraux, ça censure des broutilles, ouais, pardon. Par contre, les jeux super gore violents ou avec des scènes hyper explicites, zéro souci. Surtout quand c'est des jeux. De leur propre studio, ben c'est ça en fait, c'est ça, c'est cette hypocrisie là. Tu peux, je suis désolé de dire ça, mais enculer un ours dans Baldur's Gate 3 et dans le jeu de Capcom là. Bref, t'as des trucs vachement explicites, voilà quoi. 2022, bah ouais, ça fait pas si longtemps ça, tu devrais avoir un. Au repère de Adam, et le repère de Adam est où? C'est ça le repère? C'est là-dedans le repère de Adam? Rentre. Le repère de Adam, c'est pas ici? Repère tétrapode. Je regarde s'il n'y a pas un coffre ou quelque chose. Ouais, mais c'est ça, c'est cette hypocrisie, c'est deux poids deux mesures. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un studio coréen, du coup voilà. T'as le développeur qui a dû se sortir une connerie du genre oui, mais en fait notre vision finale du jeu. Le bikini qu'on a modifié, bah, c'était la version finale. Bah, en fait, non, si tu le mets dans la démo, si tu fais une publicité totalement sur la non-censure du jeu. Désolé, stupide. J'ai besoin de plus de temps. Pas qu'un ours, aussi un homme calamar. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, du coup, il faut que j'avance, les gars. Il faut que j'avance. Donc, j'arrête de. Je sais pas, là, je peux pas rentrer, apparemment. C'est là où t'es. C'est là où je suis. Et tu dis qu'il y a un coffre. Est-ce que j'ai zappé un truc? Est-ce que j'ai des points de compétence? Non, j'en ai pas là. Une caisse, tu dis. Il y a un frigo là. Il y a une valise. Il y a un genre de petit coffre là, mais je sais pas ce que c'est. Tu peux augmenter la quantité. Tu les as pas déjà des fois? Mais quoi, les tenues? Mais non, je t'ai. Ouais, elles sont pas là quoi.
Bon, désolé, j'ai regardé un truc. Ben, je suis censé les avoir, hein. C'est ça, hein. Bon, tant pis. Vas-y, faut que j'avance quand même, parce que... Je vois qu'il y a des trucs, là. Peut-être en descendant, je sais pas. Hein? Ok, d'accord. Bon, vous n'avez rien vu, d'accord? Vous n'avez strictement rien vu. Ah, du coup, je suis dégoûté de pas avoir pu aller à Pixel Day, mais bon, voilà. Autant d'avoir vu mon père aujourd'hui, ça m'a fait du bien. De savoir, quand je suis rentré, il était en train de... déconner avec les infirmières et il avait repris quelques couleurs, donc c'était rassurant. Bon, il a toujours un peu de fièvre, mais pas dans le sang, en tout cas pas... Enfin, c'est pas visible, mais bon, je pense que c'est normal, c'est après l'opération. Une opération très très lourde, donc... C'est quelque chose, le fandom de Baldur's Gate 3, ouais. Ouais, mais Dragon Dogma, c'est pareil, T'avais la femme harpie là avec les gros nichons là, les seins à l'air libre, tu vois, donc ça n'a aucun sens de censurer le jeu là, tu vois, alors qu'il est PEGI 18. Faire une censure sur un jeu PEGI 18, ça n'a aucun putain de sens. Je comprends pas. Elle était au niveau de l'entrée du repère dans une caisse noire pour moi. À l'entrée du repère. Alors attends, je vais remettre la map. Pour toi, l'entrée du repère, elle se trouve où? Panneau d'information. Là, je vois qu'il y a une nouvelle mission. C'était pas la décharge. Caisse noire. Je crois que t'as un peu bugué, ma grande. Merci, Soigny. Je peux aller dans les terres désolées aussi. Ben, on a quand même eu quelques frayeurs là, tu vois. En fait, le fait qu'il puisse rien ingurgiter, le système digestif ne fonctionne pas vu que l'intestin, et maintenant la vessie est reliée à l'intestin avec une poche. Il aura une poche à vie, c'est... Bon, apparemment, il s'est renseigné et tout. Il y a eu quelqu'un qui est venu pour lui expliquer qu'il pourra vivre normalement, faire des activités et tout. C'est pas un problème. Hein. Mais l'appareil génital, il ne fonctionne plus du tout. Plus du tout. Il n'y a plus rien. Ouais, écoute, c'est pas grave. Vas-y, je vais avancer. Tant pis, là, je suis en train de perdre du temps déjà. Donc là, il faut que je descende ici, c'est ça? Tu auras besoin d'informations utiles pour manœuvrer en dehors de Xion. Tu savais qu'il y avait une info trafiquante en ville? Je pense que ça vaudrait le coup que tu rencontres cette personne, malgré son caractère. Ok. Allez voir l'info trafiquant. Ça me TP directement? Attends. Ouais, c'est compliqué, Fia. C'est vraiment pas évident, mais bon, voilà. On est optimiste quand même, mais il faut le rester. De toute façon, il a vraiment pas le choix, tu vois. Le chara-design steampunk me plaît bien aussi. Contente de te voir, l'ange. Tu ne sembles pas très agréable.
Tu es plutôt rusé. On me l'a déjà dit. Les gens me comparent souvent à un serpent. Je suis Roxane. Considère-moi comme une infotrafiquante. Infotrafiquante ? Ils sont vachement occidentalisés, les noms. Infopratique, ragot, chantage, peur, faiblesse. Je touche un peu à tout. Oh l'ange, j'aime ça. Tu es vrai. Mais Magna Carta, ouais, effectivement, l'esprit de Magna Carta est là, quoi. Un magasin. Qu'est-ce que tu vends, toi ? La base de données sera mise à jour. Ah, c'est des mots de passe. Airshop. Ah ben non, il a pas le choix, c'est ça, soit ça, soit il meurt en fait, Efia. C'est ça, quand le cancer, c'est la merde. Pire merde là. Non, c'est le protocole F3, la troisième note, c'est le protocole F3. J'ai eu une révélation, mais en pensant la matriarche ne fait pas l'erreur. Peut-être que le protocole Eve a bien été conçu ainsi. Éliminer l'ancestral et reprendre la Terre serait un prétexte pour accomplir un autre objectif. Ces gens sont des imbéciles et elle en a voulu ainsi. Elle ne crée pas une nouvelle colonie, car les survivants de la surface ont encore un rôle à jouer dans ses plans. La matriarche est parfaite. Tout ce qu'elle fait a un sens. Nous ignorons seulement son dessein. Moi, je pense que la matriarche mène une sorte d'expérience. Elle veut voir comment ces anges incomplets vont évoluer sur Terre. Peut-être qu'elle essaie de créer une véritable nouvelle humanité pour le salut de notre espèce, la matriarche. Et... ouais, on est vraiment sous le délire, délire Nier Automata. Hein. Oh, j'en ai pris un. Hein. Je me suis bien amusé. Restons-en là. Je vais en reprendre après, plus tard. Hein. Mais ça m'intrigue, cette histoire du coffre noir là pour les vêtements, ça m'énerve un peu. Ah, une canette. Cool. Lily, on a trouvé une canette. C'est quoi ça? C'est très étrange. Oh, une canette. Avant, c'était un conteneur de stockage pour électrolytes. Une canette. C'est sympa. Je peux lire tout un tas de données avec ça. Mais comme mon père l'a dit, je souhaite ça à personne. Ce qu'il a vécu là... C'est une description ou une publicité pour de l'électrolyte. C'est vraiment marrant que tu t'intéresses à de vieux objets. Eh bien, elles ont un certain charme. Mais si ça t'inquiète tant, je pourrais te fabriquer une vitrine pour les ranger. D'accord, alors. Tant que c'est pas une corvée pour toi... C'est du gâteau pour la seule et unique Lily Artemis. Je vois qu'il y a un escalier. Je vais la préparer tout de suite. Faisons une collection ensemble. Ah, merci Lily. Il y a une pioule. Une pioule, mais il n'y a rien. Sniff. Comment je sais pas monter un peu. Attends, t'as pas d'échelle ? What ? Saute dans le vide, si tu sais pas. Bon allez, on va avancer dans l'histoire quand même. Hein. la cité est pas mal quand même. J'ai pas eu le temps vraiment de... J'ai envie d'avancer là, j'ai envie de faire quelques combats là quand même. Je regarderai pour le coffre tout à l'heure là. Ça m'intrigue quand même. Ouais, du coup apparemment j'ai vu la vidéo de Ryu sur le Pixel Day. Il y avait Ryu, j'ai vu Cal et Zephyrus en fin de vidéo. Les sables solitaires s'étendent au loin. C'est la terre la plus vaste que j'ai jamais vue de ma vie. Pourtant, le danger s'y cache dans tous les recoins. Attention où tu mets les pieds. Si tu trébuches, tu pourrais tomber dans les bras de la mort. Très bien. J'ai entré les coordonnées scannées du plateau Le Voir. On peut y aller. Let's go.
Y a pas d'électricité dans le camp. Hein? Voyons. On dirait qu'une bonne partie de l'électricité du camp provient des zones aux alentours. Il doit y avoir un problème sur le réseau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être compliqué. Je ne gaspille une pièce quand même là, on est d'accord. Il y a une tour solaire qui alimente les constructions proches. On dirait qu'il y a une sorte de problème avec la tour. Nous allons devoir y aller et vérifier ça. Let's go. Bon. Faut que je me remette un peu au combat quand même. La gazette d'action. Les lions ont été repérés, quel est leur objectif, le fanatisme et la méfiance ne peuvent être tolérés. Sion doit maintenir son autorité et tout surveiller. D'après les sentinelles, des anges sont descendus de la colonie mais ont été repérés à Action. Et ils ont mené de nombreuses opérations au fil des années. Mais c'est la première fois qu'ils sont actifs au sein de Sion. Les anges possèdent une puissance qualifiée de surhumaine, comparable à celle d'un bataillon entier de guerriers. Mais leurs antécédents de combattants sont inconnus. Certains estiment qu'ils sont enfermés dans une boucle d'échecs et de victoires stratégiques. Le prophète a demandé qu'ils soient traités de manière rationnelle. Sion n'a pas été choisi comme colonie, mais nous devons oublier nos vieilles rancunes, les considérer comme nos égaux. Certains extrémistes affirment que les anges sont probablement hostiles et qu'ils sont l'incarnation de la matriarche. Nous devons néanmoins faire preuve de civisme. On est complètement sur l'histoire de Nier Automata en fait. Hein. On est vraiment sur le même. Sur le même délire. Tapez. Aïe. Là, alors par contre je crois que c'est sur le côté, c'est ça quand c'est violet. Eh, je me suis protégé. Ok, bon, faut que je me remette dans le bain. En tout cas, ouais, effectivement, c'est un peu plus ouvert du coup. Ça ressemble à quoi la map? Ah oui, d'accord. Avant et zéro, ok. Là. Ça l'a pas fait. Mais genre, il m'a one shot. Ouais, faut que je me remette dans le truc. Ah, arrière zéro. Ok, d'accord. C'est pour ça que. Merci, Alba. C'est pas grave. Ok. Bon, on n'avait pas trop galéré dans la première phase, mais effectivement, les mobs ils envoient du pâté. Hein. Ok, il y a un coffre là, j'ai même pas vu. Toi, il y avait un mob dedans, d'accord. À partir d'ici, ça va piquer un peu, d'accord. Bah, c'est bien, un petit peu de challenge quand même, hein, parce que la première partie c'était assez easy. Et effectivement, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de mobs. La vengeance. Ah oui, on a le finish. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est ça qu'on veut.
cool. Non, j'adore le système de combat, il est grisant et tout. C'est vrai que ça a cette sensation là d'avoir un Souls, mais en même temps c'est pas totalement ça, c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, je fais très attention au studio coréen maintenant. On a eu un excellent Lies of P qui était mon GOTY du coup. Par contre, tu prends cher. Hein. Je mange un petit truc. Mais en tout cas, je vois qu'il y a de quoi faire dans le jeu. Je m'attendais pas à voir cette partie un petit peu open world comme ça. Cool. Combat en cours. What? Ah, une canette. J'adore comment elle fait la pause pause pub. Allez, on va explorer un peu. On va avancer en même temps. C'est un cul-de-sac. Ouais. Je peux courir sur le mur. Ah, elle a du wall. Wall run dessus là. Cool. Cool. Wow. Tu te déplaces bien. Mais pas aussi bien que moi. Pas aussi bien que le drone, tu veux dire. Pas comme moi l'a rembarré. Bon, c'est le mec. On se rapprocherait presque du Star Wars Souls-like là aussi. Je trouve. Logiquement, putain, j'ai le réflexe triangle. Logiquement, il y a pas de jus ici de toute façon. Faut que j'aille à la station. Mais là, du coup, la station. C'est un ennemi ça. Robot. Ah ouais. Ouais. Ok. Aïe. Je suis collé. Ah, l'autre il me casse les couilles là-bas. Saleté. Ouais, quand même quoi. Ah ouais. Effectivement, c'est un peu plus tendu, je confirme. Pour prendre les ressources parce que c'est important, surtout pour augmenter. Du coup là je suis où? Je regarde un truc là. Attends, pardon, je sais, je peux passer par là, mais il y a un truc plus ici là. C'est quoi ça? À faire, hein.
Bon, par contre, ça craint parce que j'ai. Ouah, les gars. Il doit me rester un HP là. Mais non. Qu'est-ce que... Ah non. J'ai les souvenirs de Rebirth là qui remontent. Là pour monter. Non, effectivement, les mobs font mal. Hein. Il faut vraiment que je réalimente le. Ah, c'était juste pour le polymère. D'accord. Bon, par contre, je suis dans la mouise là. Hein. On est d'accord que là, si je crève, je suis dans la merde. Oh, faut que je remonte jusque tout là-haut. Et la tour, elle est là? En gros, le truc, il est là. Tu dois aller à la tour. La tour, elle est là. Ouais, autant crever, non? Allez. Suicidaire. Ça sert à rien. On va aller directement à la tour, comme ça on a les points de save. Sinon on va se faire chier. Ah bah non, en fait tu... Ah bah oui, d'accord. Et je peux pas me TP. Ah bah merde. En fait, quand tu mets ta pièce, tu respawns là, mais tu peux pas utiliser les ressources du camp, quoi. Ok, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Bon, bah écoute. On va aller faire ce truc-là. Hein. Pas évident des fois, mais pareil. Ah, ils sont coriaces, hein. Ils sont coriaces et puissants. Mais je kiffe. Hein. Un peu de challenge. T'as vu comment il a voulu aller derrière moi, là? Continue sur le chemin. Tu verras le plateau le voir. Vous n'avez rien vu. C'est quoi ces trucs-là?
trucs là-dedans. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ah, je me planque. Oh, le prophète m'a ordonné d'examiner l'usine et plusieurs autres sites. J'allais rentrer, mais j'ai vu tous ces monstres. J'ai à peine pu me cacher. Tu m'as sauvé la vie, mais je peux te demander quelque chose? Tu as vu une sentinelle en venant ici? Non, je n'ai vu personne d'autre. Une sentinelle chargée de me protéger m'a escorté jusqu'ici. Il m'a caché ici pour me protéger des Naitiba avant d'aller les affronter. Écoute, je ne peux pas partir sans lui. Ripé, hein. Reste ici, je vais te chercher. Merci beaucoup, l'ange. Il s'appelle Go. S'il est encore... Go. Alors là, il y a un ascenseur. De toute façon, c'est là où il faut aller. Mais... on va en profiter pour prendre ce spot-là. Hein. Parce qu'apparemment, vu qu'on respawn quand même ici, l'important, c'est que si tu mets la pièce, tu respawn là. Donc, on a un semblant de progression. Donc, c'est cool. Même si on peut pas utiliser les trucs du camp. Attends, on peut s'asseoir? On peut quand même s'asseoir. Bon, la logique, on va pas la chercher. Hein. C'est que c'est un fauteuil magique qui restaure les... on va dire ça comme ça. Ta gueule, c'est magique. Ouais, allez. Un petit lecteur MP3, ça aurait été cool. Tu vois, tu peux skipper les musiques... en mettre différentes. Alors, voyons voir. Ok, donc il faut que j'aille là. Je comprends bien. Et là, t'as des trucs aussi, donc j'aimerais bien aller voir là. Moi, bon, le sens contraire de ce qu'il faut faire, je... ouais. Dégage. Alors. Ok, c'est un raccourci. Il y a un sprint automatique. Ah bah j'ai merdé hein. Je vais me faire tuer par les petits mobs derrière. Con hein. Ah attends, il faut vraiment être rapide. Hein. Faut vraiment être très rapide. Hein. Pour l'esquive. Hein. Alors, je vois qu'il y a un gros. Et s'il est là, à mon avis, c'est qu'il protège quelque chose. Ah, bien sûr, il faut toujours un petit... Ouais, dégage. Tu as plus de balles. D'accord. Ils sont effectivement bien chauds dans la zone. Mais ça fait plaisir. Hey.
Et Mr. Dickhead, là, il m'a fait chier. Alors, du coup. T'es parti là-bas, c'est ça? D'accord. J'ai pris cher là, c'est énervant. Faut vraiment être très très prudent, très technique. Ce jeu là il demande quand même une technique. Comment on reload? Oh, t'as pu avoir besoin. Tu vois là, fuck la précision, enfin le timing quoi. Mais je me sens obligé de cleaner les zones pour être un peu plus tranquille. Sont vraiment très très cher. Mais d'où il sort celui-là? Je me dis des fois, je mérite les petites gifles là. Bien. Très très plaisant, j'adore. Bon, et c'est tout ce qu'il gardait là, il n'y a rien de plus intéressant. J'ai Ça, tu vois, c'est louche. Ouais, j'ai failli passer à côté de... tu vois, j'ai bien fait de... J'ai failli passer à côté. Je te jure. Ouais, la vibe Nier, elle est là, quoi. Ouais, c'est fait. Ouais, y a pas de jus, Eve, hein. Tu peux taper comme tu veux. Du plateau le voir. A-t-on besoin d'un code de sécurité? Non. Non, mais je vais me faire botter le cul. Halt, étrangère. Oh. Qui es-tu? Kiel, garde royale. Je suis sous les ordres d'Orcal pour protéger les ruines. Tu ignores que cette zone est interdite d'accès? Attends. Attends. Nous sommes là sur la demande d'Orcal. Quand bien même, je ne peux pas laisser entrer de personnes non qualifiées. Non qualifiées? Si tu parviens à me vaincre, tu pourras passer. Bon, si c'est que ça. D'accord, allons-y, let's go. Ah,
Je maîtrise moins les paris que dans la première phase, mais allez, on va se refaire. On va dire que vous n'avez rien vu, un first try. Halt, étrangère. Oui, c'est bon, je vais pas me retaper la séquence. Si? Non? Eh, déconne pas. Garde royale, tu ignores que cette zone est un... Ils ont pas fait un truc pour skipper? Quand bien même, je ne peux pas... Non qualifié. Si tu parviens à me vaincre. Bon, si c'est que ça. Allez, c'est parti. Là, t'es morte. Mais non, c'est quoi, c'est cheaté ça? Putain, elle te fout une giflette là, t'es mort. C'est n'importe quoi. Ok, bon, allez. Bref, bon, il faut se retaper la séquence là. Bon, au moins il y a du challenge. Hein. Étrangère. Ça, je suis d'accord. Qui es-tu? Qui elle? Garde royale. Tu ignores que c'est. Juste accélérer les. Quand bien même. Je ne peux plus non qualifier. Si tu parviens à me vaincre. Bon, si c'est que ça. Il y a vraiment tout qui se fait sur le pari. Hein. Mais le temps que tu fasses ton truc pour te healer, elle t'a bousillé quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a un niveau de fils de putrie un petit peu élevé quand même. Mais bon. Halt, étrangère. Allez. Qui elle, garde royale, tu ignores que cette zone est interdite. Attends. C'est même pas un boss ça en fait. Je ne peux non. Si tu parviens à me vaincre. Bon, si c'est. C'est un mini boss. J'ai dit, les mobs ils vont être plus chiants que les boss eux-mêmes. Que je viens de fail là. Faut que je pense à me healer. Un peu trop loin. Faut que je pense à bouger aussi un peu plus. Le pari ne fait pas tout, je pense. Yeah!
C'est pas possible. Alba, dis-moi que t'as fait autant de retry, parce que là, franchement, elle te fout une claquette, t'as pas le temps de te healer, c'est pas fair play. Contre-attaquer avec parade parfaite. Merci le jeu. Merci le jeu. Mais non. Kiel, garde royale, tu ignores que cette zone est interdite. Attends. Quand bien même. Bon, et il faut avoir des séances de farm dans le jeu. Si tu parviens à me faire. Bon, si c'est que ça. Il faut que tu fasses un sans faute, quoi. Ah bah ouais, ça commence bien. En fait, quand tu lances ton attaque, c'est pas bon, quoi. D'accord, ok. J'ai pas assez de stamina aussi, je pense, non? Faut que je temporise un peu et récupérer ma stamina. J'avoue. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible! J'avais fait un peu d'annexe avant. Ouais, d'accord, je comprends. C'est le genre de jeu où faut que tu fasses tout pour essayer de grappiller le moindre petit XP pour essayer de. Mais bon, normalement, je suis censé bien à Paris à chaque fois. Enfin, je devrais pas avoir de soucis, quoi, tu vois. Par contre, le truc de pas skipper les dialogues là, ça c'est moyen, les gars. Hein. Si t'es censé faire des retry. Si tu parviens à me vaincre, tu pourras. Bon, si c'est que ça. Allez. On va essayer de faire une strat différente. Ah bah, c'est foutu. Belle esquive. GG. J'essaie de faire un dépassement pour voir ce que ça faisait. J'arrive à faire un enchaînement. Esquiver toutes les attaques en fait. Voilà, châtiment, d'accord. Ça.
Ok, je comprends mieux maintenant. D'accord, d'accord. Il faut vraiment faire le pari parfait. Faut tout parer. Ok, d'accord. J'ai sous-estimé tes capacités à combattre à armes égales, le Nighty Baal. Bon, désolé pour le nom de Véritrail. C'est un honneur de t'affronter. On peut entrer maintenant, n'est-ce pas? Oui. Ouais, allez, laisse pas rentrer. Le voir est occupé par les Nighty Baal depuis très longtemps. Personne n'en est jamais revenu vivant. Mais pour toi, j'ai bon espoir. Bon, il me reste une fiole, hein. C'était sacrément chiant. La lame s'est arrêtée de fonctionner. Hein? Le scanner du drone aussi. Attends. Ce n'est pas bon. Un champ de sécurité électromagnétique inhabituel perturbe le système. Il devrait y avoir des Nighty Baal par ici. Ah, l'équipement du drone reste possible. Pareil pour le tir de portée. Ah, on doit une fière chandelle à Lily pour ça. C'est plus qu'assez. J'entre maintenant. Allez, c'est parti. D'accord, je peux pas utiliser ma lame. Et j'ai plus qu'une potion, enfin j'ai plus qu'une fiole de... Je suis dans la merde. Et ça m'inspire pas des masses ici. Ouais, ok. Il y a un mort là. Les ruines semblent anciennes. Mais à l'intérieur, c'est si moderne. Il y a quelque chose d'étrange ici. On dirait l'association de deux périodes différentes. Même impression. Nous sommes l'humanité, pas vous. Nous allons purifier ce monde de mensonges. Et purifier ce monde de nos propres mains. Regarde au sol, recule. Il y a une corde en face de toi. Vous n'avez rien vu. La main, non. La magie du montage YouTube, les gars. Putain. Ah, la plateforme dans ces jeux, c'est toujours... Mais la corde, mais pourquoi tu l'achappes pas, la corde? Tu te fous de ma gueule. Oh, j'ai crevé. J'ai crevé sur un parcours. D'accord, ok. Yeah. Mais... Ouais... Ah, ça va, ça me rassure. Ah, la plateforme dans ces jeux, mais c'est toujours éclaté, quoi. C'est incroyable. Après, le jeu, on l'attend pas ici, mais... Séquence d'initialisation, raffine, saison terminée... Puis rentrer l'idée d'administrateur a fait le confirmer ouverture du dialogue des commandes, confirmer nom, graphie, ordinateur central, ok d'accord. Le parcours. Oh putain mais des fois c'est. Oh mais ça c'est le genre de truc que j'ai horreur. Quand personne, c'est une savonnette, t'arrives pas à loquer
le truc pour activer les machins. Quoi. C'est... Mais je peux pas attaquer. Curieuse manière d'accueillir des invités. Oh, stylé. Waouh, cet endroit. Il est rempli de capsules. Est-ce que c'était un centre de recherche? Très classe. C'est quoi ça? Ah mais non. Allez, vas-y, explose. Qui a écrit Eidos? Ouais, bah je fais comment les gars? Ah ouais, bah je peux pas attaquer moi. Quelqu'un peut m'expliquer? Je pensais que j'avais plus de balles. Ah merci Alba, ouais, je pensais que j'avais plus de balles. Autant pour moi, que j'avais une arme. Ça gaspille des balles, non? Ça explose ça là. Mais non, je suis resté stuck contre la barrière. Bon, y a quelques trucs où voilà, c'est pas ouf. Mais après bon. Est-ce que je suis en train de revenir en arrière? Ah Maya, t'as vu le faire, d'accord. Ah merde. J'ai plus de fiole, j'ai plus rien. Je suis dans la muise. Y'a un camp. Ah merci, merci mon dieu. Je m'étonne qu'il y ait un camp. Ah, ça on peut l'utiliser, d'accord, cool. J'ai 2 points d'XP, fin de compétence. Bon, j'avoue, contre, ce serait pas mal non plus. Hein.
Recharge d'énergie bêta, augmente la quantité d'énergie bêta récupérée en cas de parade parfaite. Faut avouer que c'est tentant ça aussi. Les pulsions. Non mais je voulais pas, c'était pas la peine. Il m'a quand même chopé. Il m'a quand même pécho. Ouais, tiens, pas la peine. D'accord. Cool. J'ai bien fait de prendre ça, je pense. Allez, on va avancer. Je sais pas ce que j'ai activé, mais je l'ai activé. Tu te fous de ma gueule. Je suis trop lent. Je suis trop lent. Ah ! Ouh, je suis passé. Ça passe. Ça passe. Ah, j'ai pas vu celui-là. Ah, il y a des blocs qui... Oh mais non. Ah, je veux toujours pas attaquer. Dégueulasse. Dégueulasse. Elle ne s'ouvre qu'avec le panneau, à distance. Il doit se trouver dans la salle de contrôle. Pas ici. Ah effectivement, il y a les petits jump scares comme ça, sympathiques. Oh la vache! Ok, le jeu te met des jump scares, d'accord. Au KLM. Mais oui, d'accord, il lâche... Ah oui, d'accord. Ah oui, il lâche des petits... D'accord. Ok. Pour l'humanité, pour la vie, pour l'unité okay, de la domination des machines à liberté rouge sans. Nous sommes natifs de cette terre et il nous revient de droit. C'est ouvert. Allons vers les portes. Saleté de bestiole.
motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. Ah, c'est le... C'est le logo. C'est les logo. Les motifs. Les touches de la manette. Ouais, bah quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi le délire? Alors attendez, c'est quoi le délire avec les touches? Faut que je comprenne. Les motifs sont peut-être un indice. T'as triangle, rond. Ok, donc du coup, il faut repartir sur du triangle, c'est ça? Donc c'est quoi, triangle, rond, rond, croix, carré, triangle, rond, croix, carré, 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 d'accord. Alors, non, non, mais j'étais... Les motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. Triangle rond, croix carré, ok. Triangle, rond, croix carré, triangle rond, croix carré. Les motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. C'est un Souls, c'est un Souls. Ok, alors, triangle, rond, croix carré. Et si on faisait là-bas? Croix, carré, triangle, rond, croix. Pourquoi mettre des phases de plateforme qui sont éclatées dans ce genre de jeu? Ah, un mystère, un mystère. Non. Les motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. Sont peut-être un indice. Mais les sous à mords-moi les couilles. Les motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. Ah, j'ai grugé le truc. C'est ça? Le saut, le saut, le... Les motifs sous tes pieds sont peut-être un indice. Pire qu'un Souls. Ouah, mais hé, les gars, les sous, c'est... Éclataxe de fou. Triangle, croix, carré, triangle, rond, croix, carré, triangle, rond, croix, carré, triangle, rond, croix. Carré, triangle, allez, c'est bon. Génial, allons vers la prochaine salle. Je regarde le centre du front de libération, ok, ok. Merci pour le GG, mais ça mérite pas un GG, ça. Ah, ils abusent quand même. Ils abusent, ils abusent. Bon, ça pue le boss. Non mais
C'est vrai, franchement, il faut dire ce qui est. La plateforme dans ces jeux-là, ça sert à rien. Quoi. Le passage PlayStation, ouais. Je détecte une cellule à fusion dans ce générateur. Il faut la sortir de là. Encore des énigmes, non. C'est sérieux. Au fond du fun. Je sens que ça va être au fond du fun. Quelque chose me dit. Et en plus, tu peux les déplacer. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Allez, let's go. Je sais pas pourquoi on peut monter là, mais ok, allez, let's go. Je vois qu'il y a des trucs qu'il faut placer. J'ai sursauté aussi. Oh là 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 là. Je sens la douille, les gars, je sens la douille. C'est pas un truc à ramasser, ça. La façon de dessiner aux visiteurs. Cité Eidos, leader de l'innovation humaine. Merci de visiter notre usine cybernétique. Eidos est le leader dans la conception de programmes. Expérience pour un nouveau quotidien, une nouvelle technologie, une nouvelle existence. Nous vous demandons de bien vouloir respecter nos procédures de sécurité avant d'entrer. Veuillez saisir votre numéro de réservation et patienter. Nous occuperons de vous dans les plus brefs délais. Merci. C'est dans le suivant. La porte de l'autre côté est ouverte. Mais non. Le laser est activé. Descendons. On était sûr.
J'ai plus de balles. What? Mais j'ai plus de balles. Je fais comment? C'est dégueulasse. Bon, je suppose que là on peut descendre. Alors, du coup. J'en étais sûr que ça allait me faire mal. Je le sentais. Alors, le rayon part de là. Tu peux pas le bouger celui-là ? Tu peux que les pivoter ? Mais non. Non, d'accord, il bouge pas. Tenir, faire pivoter. Lâcher. Ok, d'accord. Je sais pas, je vois qu'il y a un miroir là-dedans qui réfléchit à un autre. C'est chelou. Et du coup, mais toi, tu bougeais tout à l'heure, non? Toi, là. Ah non, d'accord, tu faisais que pivoter, d'accord. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que toi, tu peux bouger, normalement. Pourquoi je peux pas le bouger ? Me dis pas qu'il faut que je stoppe le truc à chaque fois et Ah non, s'il vous plaît. Il nous faut une cellule à fusion pour sortir d'ici. Attends, du coup, je l'ai activé où, le machin ? Attends, c'est ça, là ? Attends, elle disait qu'on... Attends, il faut que je stoppe les machins pour pouvoir les bouger ? Non, vraiment ? Oh là les gars. Bon bah je suppose que c'est ça. Hein. Je suppose qu'il faut monter et arrêter le système. Les bougies comme ça. Mais c'est complètement relou. C'est pas possible.
Je veux dire, l'union humaine, le chemin qui mène vers le futur est pavé de Raphaël, Marx, la matriarche, un nouveau quotidien, une nouvelle technologie, une nouvelle durabilité. Nous allons transcender les frontières de l'humanité, de l'informatique, briser les chaînes de la vie et de la cybernétique. Et de ce bienvenue dans le futur, ok. Oh là les gars. Bah apparemment non. Apparemment t'es pas obligé de réactiver le truc, il est activé. Et pourquoi j'arrive pas à les bouger? Ça, je... J'ai bien fait de monter en fait. Hein. Quelque part. Hein. Donc j'avais pas fini en fait. C'est qu'un raccourci? Oh, moi pas comprendre les gars là. Mais je devrais pouvoir être capable de bouger ce truc là. Non? Les gars, je veux bien un coup de main. Pour ceux qui l'ont fait, du coup. Que là, il me dit quoi? Déplacer les réflecteurs à laser pour surcharger le générateur situé au centre. Je le veux bien, mais si je peux pas faire bouger le principal, là. Je fais comment? Oui, il faut les bouger et le truc se bouge, se met à bouger tout seul. Une fois que tu les as tous placés correctement. Ça, c'est pour ça que là je suis. C'est un jeu de miroir, ouais, je veux bien, ouais. Un jeu de miroir. Je vois qu'il y en a un là-dedans, un jeu de miroir. Hein? Attends, mais je l'ai bouché? Ah d'accord, moi je maintenais la touche pour les bouger, mais en fait non, il faut pas maintenir la touche. Oh la vache, mais... Lol. Oh je te jure. En fait, une fois que tu l'as sélectionné, tu peux les bouger.
En fait, moi, j'ai laissé maintenir la touche en pensant... en pensant que voilà, quoi. Alors. Voyons voir. Ah ouais, d'accord, tiens, je fais un coup de laser. Ya. Ok, d'accord. Je vais te faire un truc, moi. Attends, voir, du coup... Est-ce que toi, on peut te déplacer? Alors, la logique, c'est plutôt... Alors, attends. Ok, une fois que tu as sélectionné, tu peux le bouger. Dax. Bon, mon avis. Eh, en vrai, tu pètes tous les trucs, c'est bon. Tous les modules. À la limite. Super, t'as réussi. Bon bah du coup, je pense que j'ai dû gruger le système. Je pense. Il faut aller où là? Oui. Ah
Merci pour les GG. Bon, c'était pas grand chose. Ah, il va y en avoir des cuts dans cet épisode là. Merci Maya. Il va en avoir. Ce labo. Tu penses que les humains s'en sont servis pour étudier. Je suis crevé. Vous imaginez pas à quel point je suis crevé en ce moment, je dors très peu. Il y a trop de stress, trop de trucs et tout. Connaître son ennemi pour essayer de le vaincre. Moi ouais, ça fait du bien de me changer un peu les idées, sinon. Non, je fais rien. Allez, je sens qu'on va se préparer pour un petit combat. Est-ce que j'ai... Je pense pas que je fais les combats. Si, si. C'est une soirée F14 pour te changer de vidéo aussi, c'est possible, ouais. Pourquoi pas, charge enchaînée, vol d'énergie, chaîne bêta. Ça, je veux bien. Allez, c'est parti. Bon, par contre, ça m'énerve là, pour les tenues là. Pas... Les lumières sont rouges. Oh, c'est pas fini. Ah oui d'accord, ça te one shot, j'ai pas fait exprès de toucher le truc hein. Passer sur une phase de shooter, c'est ouf. Mais...
c'était pas sans problème, hein. Attends, me dis pas que si je me regen, est-ce que ça va me le... je vais devoir le refaire. Écoute, on va essayer. Quelque chose me dit que... Si ça relance le truc, je rage quitte. Ah, les Nightibar ont réapparu, j'espère. J'espère que cette phase-là est pas... Ah, ça va, ça va. J'ai eu peur pendant un moment. L'ascenseur devrait fonctionner. Quel ascenseur ? Quel ascenseur, les gars ? Ah, d'accord. La contamination se propage jusqu'ici. Il y a sûrement un point faible. T'avais un truc de il là, juste là, quoi. Ça sert à quoi que je m'as... Je suis pas d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Ah, dégueulasse! Ah! J'ai plus de balles! J'ai plus de balles! Ah oui, mais... Ah mais oui, mais ouais, mais non. Dégueulasse. Bon travail. D'accord. D'accord, il y avait des points faibles à viser en priorité. Ouais, il faut vraiment m'excuser si je suis lent à la détente, mais c'est indépendamment de ma volonté, hein, vraiment. Et je lui apporte. Alors, j'ai pas... On doit chercher un code de sécurité. J'ai pas trouvé de code de sécurité, mais... Ok, d'accord. Ah, voilà. T'es quelque part, par là. Par contre, ça tire en longueur, là, le machin. Alors. Essaie d'entrer le code. Alors, U. N. 1. 5. Et 100. Ça a marché. Est-ce qu'on devrait pas aller voir quand même la base qu'il y a ?
pas, je sais pas. On n'a pas de map là. Non. Allez, jeter un coup d'œil. J'ai eu peur. Bon. J'en étais sûr. Le contrôle du drone est compliqué par le vent. C'est un mini. Ah putain, la caisse elle m'a fait un. Elle m'a feinté. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire là? Et je vois rien. Viens, sortons d'ici. Ouais, mais du coup, je sais pas, la sortie c'est quoi? C'est ici ou c'est. Non, du coup, je suis en train de louper quelque chose. On est d'accord? Sortons d'ici. Ah, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose là, du coup. Désolé, hein, du coup, je reviens en arrière. Et je peux remonter en arrière? Est-ce que je peux? T'es sérieux? Mais non, t'as pas une échelle ou quelque chose? Mais non. Eh ben. Désolé les gars, mais je n'ai pas envie de louper quelque chose, donc à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose au fond. Mieux que rien les gars, mieux que rien. Mieux que rien. Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc à péter et qui t'ouvre miraculeusement le passage là, mais apparemment non. Non. Bon, désolé les gars. C'est pas pour ça. Mais au moins on est fixé. Je dors bien mieux ce soir. C'est un truc, ah d'accord, c'est pour les munitions ça, ok d'accord. J'ai capté que c'est... Eh ben ça tombe bien. Hey motherfucker! Tiens. Eh ben c'est un sacré donjon le truc. Hein? Ah les bâtards. Ah ouais d'accord. Ok. Bien vu, bien vu.
Ah ouais, c'est tendu. Ah, je te jure. Ah, j'ai essayé de faire nimp en fait pour essayer d'aller plus vite, mais non, ça marche pas. J'ai essayé de gruger le système, mais ça marche pas. C'est trop lent, 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 c'est trop lent. Hey, oh, c'est d'accord. Ninja quoi. Ok, tac, 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 c'est trop lent. Pas dit que j'allais jouer à... Oh putain, presque. Allez, la dernière. On est d'accord, c'est chaud. Tiens, ça a intérêt à être un truc bien. Oh, un poil de ch... C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. J'essaie de prévoir le dernier, mais c'est difficile. C'est très très difficile. Okay. Très très compliqué. Ah mais je suis zen hein. Ouais, je suis trop lent, je suis trop lent, je suis trop lent, je suis trop lent. Déjà je faille, ah, ça m'énerve. Ah. Aïe. C'est parti. Putain, avant je l'avais presque quoi. C'est que la couleur elle est tellement proche du blanc que c'est chaud. Que c'est tendu de faire la différence en fait. C'est, les couleurs sont tellement proches que j'ai un peu de mal. Oh la chance! Les trois derniers se ressemblaient donc. Oh la chance! Putain, tu peux pas me filer une arme, un truc, je sais pas moi. D'ailleurs, on a toujours la même arme tout le jeu? Je vais où là? Je vais aller où là? Merci pour les GG. Mais c'était tendu. Il y a aussi un camp de ravitaillement. Plus dur des boss, c'était ça. On devrait se reposer un peu. Ça on prend par contre. Ça c'est cool.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On peut se recharger en balle. On peut déjà apprendre ça. Et bien sûr, j'ai rien pour améliorer. Par contre, ça, oui. J'en ai assez. Grenade. Est-ce que j'ai chopé des points de compétence? Je crois pas. Un point. Humains. Ces Naitiba sont vraiment différents de ceux à la surface. Je ne reconnais pas la plupart de ces Naitiba. L'ancestral, tu nous caches quelque chose. Mais quoi? Ok. Bon, boss? Dis-moi que c'est un boss. Dis-moi que c'est un boss. On fait le boss. Bien dégueu. Et du coup, j'ai pas mon arme. J'ai que le... Attention, évoluer en consommant l'hypercellule. J'ai plus de balles. Hein. Ouais, ok. Hein. J'ai plus de balles. Bon, par contre, les balles limitées là, c'est... Yeah.
J'ai... Ah mais j'ai toujours pas récupéré de balles. Why? Passionnant ce boss. C'est tout. Regarde, un hyperdrive. Pas tout le voir. Attends, c'était ça le boss? Le statut de préservation de l'hypercellule est bon. Bon. Fais attention maintenant. Tu devrais rentrer. Je vais préparer le tétrapode en attendant ton retour. Hein? Attends. Il y a un héritage ici. Merci pour les GG. Qu'est-ce que c'est? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. Ils fournissent des informations importantes pour le prochain escadron. Je vois. Mais... pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici? Il savait peut-être des choses sur l'Alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Jour 8 après la seconde plongée. Troisième enregistrement. Héritage de Raven. Survivant Ripley et Inès. Inès va vraiment mal. À ce stade, il est très probable qu'elle meure. Nous avons découvert ce laboratoire à 4 km 47 du point d'atterrissage. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naitiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés. Les fameux Androeidos. Les humains ont perdu contre leur propre création. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans des complexes souterrains, mais c'était loin d'être la fin. Cependant, un élément inattendu a changé le cours de la guerre. Alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Naitiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, ont fait irruption. La guerre contre les Naitiba a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naitiba. J'espère finir par trouver le Naitiba ancestral au point d'origine. À quiconque regardera ceci. Que la matriarche te bénisse. C'est vraiment Nier Automata. Le Glory for Mankind, c'est... voilà, on a la petite phrase, quoi. Il n'y aurait qu'un tel enregistrement existait. Et... il y a eu une autre grande guerre avant la dernière guerre. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la colonie. Tu en penses quoi, Adam ? L'histoire de l'humanité est entachée par la guerre. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Mais quand même, c'est étrange que ça n'ait pas été transmis. Je vais récupérer l'héritage et partir. Attends, Eve. Je vais te récupérer avec le tétrapode. Ok, je t'attendrai. Bon, je vais pas vous mentir, la phase là était un petit peu... ouf. Donc du coup, ça sauvegarde automatiquement, de ce que j'ai compris. Hein. Toi, tu me racontes quoi là? Je pense que je vais arrêter là, je suis claqué, je tiens plus. Tu veux retenter l'épreuve? Ah, on peut la...
l'affronter, nous? Non. On va terminer là chez eux. Ouais, je suis un peu là. La journée a été longue, j'ai très mal dormi. Je peux aller voir mon père et tout, c'est... Console de réparation, c'est quoi? Comment puis-je t'être utile? Ok, donc là, je peux aller améliorer l'arme. Ça te prie. Ah ouais, bah direct. Direct. Eve, tu as été génial. Tu veux retourner à Axion? Dépêche-toi, monte. Je vais retourner à Axion et je vais arrêter le live ici et l'enregistrement en même temps de YouTube. Je vais devoir faire beaucoup de quêtes, je m'en occuperai demain. Je uploaderai la vidéo demain sur YouTube. C'était cool, c'était cool. Mais je vous avoue, à part le combat contre celle qui m'a fait un peu suer là, le combat juste à l'arme, la petite phase, ouais, comme tu l'avais dit, Resident Evil, j'ai compris la ref. Mais ouf, ça va, c'est pas. Voilà. Je m'attendais à faire plus de combats quand même. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Arrêtez là du coup. Non, c'était sympa. Bon, en tout cas, merci YouTube pour avoir suivi ce petit live, enfin cette suite pour Stellar Blade, qui est vraiment sympathique comme jeu. Après, c'est pas... Là, cette phase-là était un petit peu particulière, mais après, bon, je pense que ça se rattrapera sur les boss. J'ai hâte de découvrir la suite. On continuera demain du coup et j'enverrai tout ce qu'il faut sur YouTube aussi. En faisant des épisodes pas trop longs, mais en faisant des cuts et que vous ayez le plus intéressant quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Et des gros bisous. Et on se dit à demain du coup, normalement pour la suite. S'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de stress. Mais je vais me reposer. Voilà. Je vous fais les bisous. A plus.